بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم آتي خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد عرفت الصلاة والتسليم اللهم زل له في كل خير أعطيته إياه وتوفنا وهو راض عنه آمين الحمد لله رب العالمين. Donc dans une vidéo, la vidéo précédente sur le sujet de, qui s'intitulait « Le chemin de la basmala », on avait vu donc, dans la lecture du nom Allah, qui est donc la lecture et l'apprentissage réel du soufisme, donc on avait vu après les trois premières lettres « Houwa » de « Lahou » de « Lidla », on était arrivé donc à la lecture de cet espace qui paraît vide et qui ne l'est pas. Et on avait présenté donc la lecture de ce triangle aloui de couleur verte, le vert qui renvoie à l'asma, la science des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la science des anges. Et donc l'étude de ce triangle, qui est le triangle de la basmala, est associé, c'est-à-dire on l'appelle dans notre tariqa le cinquième sirr, donc le cinquième secret. Et en dessous, donc l'étude du fasl, c'est-à-dire de la scission, opposée à la jonction du wasl, donc la scission qui est la science ou la connaissance de la nafs, qui est ici donc l'ombre de la basmala. Et on avait vu que l'ombre d'une chose, eh bien c'est une chose qui... Cette ombre en elle-même n'existe pas. Et donc de même, la nafs, donc l'étude de la nafs et de ses particularités qui permettent donc à la personne de réaliser pleinement sa non-existence. Voilà, et donc on avait vu ce barzakh, c'est-à-dire l'isthme, le chemin du juste milieu, qui est donc représenté ici, donc qui permet au mourid d'arriver au lame de l'arifa, d'accéder à une approche du alif, alif du tawhid, de la connaissance de l'unicité, de l'ahadiyya, d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait ensuite étudié, considéré donc cet espace vide comme étant l'âme ou l'entité humaine, en déterminant en son centre le soleil, autour duquel la terre, c'est-à-dire le corps de l'homme, tournait. Et donc cette terre, en tournant tout autour du soleil, selon une ellipse, marquait, ou c'est-à-dire passait par quatre points primordiaux, qui sont donc ici les deux équinoxes, pardon, et en haut et en bas les solstices. Et on avait dit que le chemin du croyant était représenté, donc selon cette considération, comme étant ce chemin entre qui relie les deux équinoxes. Pourquoi les deux équinoxes? Parce que l'équinoxe, c'est les moments dans l'année où la durée du jour est exactement égale à celle de la nuit. C'est-à-dire, étant donné que le jour est composé de une journée, c'est 24 heures, donc 12 heures de jour et 12 heures de nuit, c'est-à-dire 12 heures de shari'a pour le jour et 12 heures de haqiqa, donc correspondant à la nuit. Et donc ce chemin-là, c'est le chemin du juste milieu, ce qu'on appelle le chemin du juste milieu, et donc qui a plusieurs noms, qu'on appelle as-sirat aussi, donc au jour du jugement, l'humanité sera amenée à donc cheminer, à avancer, à traverser ce sirat. Et on le décrit comme étant un pont jeté sur l'enfer, de couleur rouge, donc pour les nafs soufflis. Ce chemin-là également est appelé, donc dans un hadith, le mahajjatul bayda, c'est-à-dire le chemin, la voie blanche, qu'on traduit par la voie blanche. Pourquoi blanche? Parce que c'est un chemin qui est illuminé par la lumière mohammedienne, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on avait représenté, donc, dont le soleil, dont la source, se trouve ici au centre
de l'âme humaine, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, donc un messager vous est venu de vous-même, de vos propres nafs. Et donc ces croyants sont ceux qui cheminent sur le chemin du wasl, le chemin qui relie les deux équinoxes, c'est-à-dire l'équilibre parfait du jour et de la nuit, c'est-à-dire de la sharia et de la haqiqa, et donc qui cheminent jusqu'à la réalisation du tawhid véritable, personnifié, donc ici symbolisé dans le alif. Et donc dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Taraktukum ala al-mahajjatil bayda » « Je vous ai laissé sur la voie blanche. Layluha kanahariha. Donc sa nuit est égale à son jour. C'est-à-dire concrètement 12 heures, 12 heures. 12 heures comme les 12 lettres de la ilaha illallah, de la haqiqa, de la nuit, et 12 heures pour la journée, 12 comme les 12 lettres de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les 12 heures de la sharia, donc du jour. Et donc c'est ce chemin-là qui est le chemin du juste milieu, c'est-à-dire de l'équilibre, la réalisation de l'équilibre qui est demandé aux musulmans, donc entre la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre hadith, après, parce qu'il y a bien un moyen pour parvenir à cheminer sur ce chemin de Mahajjatul Bayda. Donc c'est dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par, donc on retrouve dans un ouvrage qui s'appelle Huliyat al-Awliya de Abu Na'im. Et donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit si vous preniez Ali karramallahu wajha comme khalifa, si vous le désignez comme khalifa, et je vois que vous ne le ferez pas, vous trouveriez en lui quelqu'un qui vous porterait sur la voie blanche. C'est-à-dire un guide bien guidé qui vous porterait sur Hajjatul Bayda. Donc si vous désignez Ali, c'est-à-dire Ali c'est qui, Sayyiduna Ali, dans un autre hadith, et il le dit clairement, sallallahu alayhi wa sallam, Ana Madinatul Ayn wa Ali Babuha, c'est-à-dire je suis la ville de la science. La science, c'est quoi? C'est nul autre chose que le tawhid, la connaissance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cette ville de la science a une porte, ou Ali Babuha, c'est Sayyiduna Ali karramallahu wajha. Donc pour accéder à la science véritable, le tawhid, la réalisation du tawhid, c'est-à-dire l'équilibre entre la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, il faut passer par la porte de Sayyiduna Ali karramallahu wajha. Donc si vous désignez Ali, après moi, comme successeur, et je vois que vous ne le ferez pas, et de fait, donc, de même que de tout temps, aucun peuple ne s'est jamais rangé entièrement et à l'unanimité derrière un prophète. C'est-à-dire à chaque fois qu'un prophète apparaissait au milieu de son peuple, il y avait une petite partie des gens qui le suivaient et la majorité qui le dénigrait, qui le reniait. Donc de même, Sayyiduna Ali et sa descendance, parmi lesquels se trouvent donc ses héritiers spirituels, eh bien, parmi eux, il n'y en a aucun qui n'a jamais fait l'unanimité au sein de la communauté, de leur vivant. C'est-à-dire de leur vivant, il y a toujours des gens qui sont partisans et d'autres qui sont, la majorité même, qui sont contre, qui s'affirment contre ces gens-là. Et bizarrement, après leur départ pour l'autre monde, eh bien, tout le monde aime ces gens, tout le monde se réclame d'eux. Les chiites disent qu'ils sont de nous, les sunnites disent qu'ils sont de nous, les autres disent qu'ils sont de nous, c'est-à-dire tout le monde voilà, se rattache à ces gens-là comme étant des références. Voilà, et donc dans le hadith, et je vois que vous ne le ferez pas, donc, vous ne le désignerez pas, ni lui, ni aucun de ses descendants à l'unanimité comme étant donc votre khalifa. Et pourtant, vous trouveriez en lui, c'est-à-dire en lui, en Sayyiduna Ali et en ses descendants et héritiers spirituels, quelqu'un qui vous porterait sur la voie blanche, sur le Mahajjatul Bayda. Donc c'est bien
Ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que al-mahajjatul bayda, le chemin du juste milieu, le chemin de la lumière, la voie blanche, eh bien c'est un chemin qu'on ne peut pas suivre ou prétendre suivre simplement à partir de textes ou simplement à partir du suivi de paroles, mais c'est une réalité qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire par l'intermédiaire de cette lumière mohammedienne, sallallahu alayhi wa sallam, et qui est accessible par l'intermédiaire, encore une fois, d'une personne vivante, descendante de Sayyiduna Ali, et représentant vivant de l'arbre béni, Shajar al-Mubarak. On va s'en tenir là pour l'instant. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.